Wow, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 106ème VOD Moe Moe avec Virus sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth to Sisters Generation. Nous avons reçu un appel de Kay pour nous dire que Yuni était manquante. Yuni n'est pas à son poste. Que fait Yuni? Où est-elle? A-t-elle des problèmes? Est-elle en danger? Nous allons le découvrir tout de suite sur cette VOD. Ah, Kimitachi! Hey, je vous connais les filles. Bon retour à la station. Hein? Mais qui êtes-vous déjà? Hein? Vous m'avez déjà oublié? Je vous ai donné les informations que vous cherchiez pour l'hématite. Ah ouais, t'es le papy de la dernière fois. Je suis plutôt jeune dans année de non animé. Dans tous les cas, ça vous a pris. J'ai appris que vous étiez ici pour Yuni-sama. Est-ce que vous savez où est Yuni-chan? Oui, l'oracle m'a demandé de trouver des informations et je pense que j'ai une piste solide. Attendez, quelle relation entretenez-vous avec l'oracle? Nous avons bien d'autres choses à penser. Essayons de nous concentrer sur ça. Est-ce que vous savez si Yuni va bien? Où est-ce qu'elle est? Elle essayait de confisquer tous les processeurs que Magicon avait distribués aux alentours de la station. Et alors, il y a quelques jours de ça, nous avons eu un rapport d'une ombre inhumaine qui s'engueulait avec Noir-sama. Il est apparu que ces deux-là avaient planifié de terminer leur débat dans un endroit qui s'appelle Mid Company. Et puis, donc, Yuni-sama a été portée disparue depuis. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire... Est-ce que la déesse aurait-elle perdu son combat? Elle doit être sérieusement blessée. Nous devons aller la sauver. C'est pour ça que j'attendais ici. Je ne pourrai jamais survivre dans un endroit aussi hostile tout seul. Nous comprenons, nous devrions nous dépêcher maintenant. Yuni-chan, s'il te plaît, j'espère que tu vas bien. Ah, alors, re-event à la station, pourquoi pas, éventuellement. Oh, il fait durer le plaisir. Oh, Falcom. Mon nom est Falcom. Je suis juste ton aventurière stéréotypée.
Hey, salut Falcomason. Oh, c'est vous. Comment va votre journée, va votre voyage, votre périple? Ça va aller, mais ça va prendre un moment avant que nous puissions appeler Game Industry un endroit paisible. Je comprends, on dirait que vous avez vos propres problèmes à régler. Peut-être que si ça vous dérange pas, peut-être que je pourrais me joindre à vous. Je ne suis pas sûr de comment je vais pouvoir vous aider, mais... Eh ? Est-ce que ça irait ? Oui, les choses sur cette île sont plus ou moins réglées. Et je me suis dit que... il était temps de vous renvoyer l'ascenseur pour votre gentillesse. Bien sûr que tu serais la bienvenue parmi nous. Ça sera un plaisir. Excellent, tout le plaisir est pour moi. Eh ben voilà. Super. Nous avons désormais un nouveau, une nouvelle compagnonne. Voilà, nous avons un nouveau membre dans l'équipe. Ouais, c'est super génial. C'est en quelque sorte super génial d'avoir de faire la fête dans cette d'avoir cette aventure, simplement de faire cette aventure. Eh, hey, j'ai finalement acquis le dernier livre des aventuriers. Il est usé et terni, et donc je vais devoir le réparer un peu. Mais je le ferai pas. Vous voulez savoir comment faire ça? Eh, hey, prends ça. Ok, Christian Chronicles. Je ne sais pas du tout ce que c'est, et on verra ça très certainement dans un autre live et dans une autre VOD. Mais pour le moment, eh bien, on dirait qu'il n'y a plus d'autres events dans le coin. Donc, je propose, avant de rentrer dans ce donjon, et bien, voilà, de faire, comme qui dirait, un petit peu de coupling. Alors, peut-être qu'on pourrait faire ça, puis ça, voilà. Falcomu. Peut-être qu'on pourrait mettre Redo-chan avec Nepegear. À moins qu'on mette Falcomu. Ça pourrait être sympa. D'accord, bon, alors, je pense que ça peut être pas mal, ça. Ok, du coup. Alors, au niveau des commandes. Combo skill. Voyons voir. On va modifier celui de Rome. Last Rush. Ok, 5. Ouais, celui-ci sera le plus intéressant. Flame. Ok, c'est le Thunderbolt qui est le plus intéressant là. C'est exactement la même chose, donc on va laisser Ice, hein, je pense. Je pense que je vais mettre le Ice Needle ici. Et ici peut-être...
Le Giant Tornado. Ça devrait marcher, ça. Air Blast, on va le mettre là. Non, je vais mettre le Icicle Tornado. Ok. Ceci étant fait, maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire avec Falcomoo. Ouh, ça c'est bien ça. Ouh, c'est pas mal. Donc on va virer les AG. Voilà. Parfait. Alors je sais que du coup elle a pas de break. Mais c'est pas grave parce que ça nous servira à faire du rush. Bien plus intéressant. Ok. Là on va mettre le Genos Novae pour être cool. Bomb. Et Power Bomb. Ok. Ah, on n'a jamais setup KIV. Ah. Bon, on va faire ça. Je pense que on va faire le Rapid Rush ici et on va mettre... Non. Ici on va mettre le Shockwave Gun et ici on va mettre le Rapid Rush. Pour it. Ok, bon. Le Wind Slash reste le plus intéressant de tous. Et du coup, on va mettre le Mighty Blow ici et le Wind Slash ici. Ok. Demon Summon. Ça, ça peut être assez cool. Oh. KV, elle est assez intéressante. Hein. En termes de combo. Ça peut être assez cool, ça. Ok. Alors, pour notre petite Ram. Alors du coup, Ram, plutôt que de la mettre en rush, puisqu'on a mis Rome en rush, normalement on va la mettre en break et en power. Pour ça, du coup, on va mettre le Thunderbolt. Ok. Ouais, là c'est vraiment génial. Nickel. Je pense qu'on va mettre le Explosion. On va mettre le Ice Hold. Bon, évidemment, je pense qu'on va mettre le Giant Tornado. Bon, bah voilà. Bah nickel. Ah, Aquarian AG. Un animé. Très connu, d'ailleurs. Après, vraiment, chez les otaku. Hein. Bon, eh bah ça a l'air d'être bien. On va pouvoir tester tout ça. Qui plus est, nous allons faire une sauvegarde, comme ça on sera à peu près sûr de ce qu'on fait. Et voyons voir ce qu'on peut trouver à la Meat Company. Tanashimi ! On va bien s'amuser. Bon, Meat Company, on la connaît très bien. On l'a fait plus d'une fois. D'ailleurs, ici on peut trouver des Patchimon Circuit qui sont hyper intéressants. Et faut faire attention, voilà, parce que ça hitbox est un peu grande. Ah, trop bien! Ok. Ah, exactement comme dans Hyper Dimension Neptunia U Action Unleashed.
Ils ont une portée assez phénoménale. Et ils ont une grosse initiative également. Nickel. Ah, et j'ai donc un Patchyman Circuit. Et donc j'ai les twins. Yeah. Les jumelles qui ont pris un level. Et ça, c'est très très cool. Alors là, j'augmente l'exedrive. Hein. Ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment très très bon. Voilà, du coup, hop. Sore. Alors, là, j'ai le choix entre le Giant Tornado ou le Ice Needle. Et je pense que je vais choisir le Giant Tornado pour augmenter l'exedrive gauche. Ouh. Ah, voilà, level 2. C'est très joli. Bon, ça nous a pas fait gagner d'exedrive plus que ça, et ouais, au final, on n'a pas gagné de Patchyman Circuit, qui aurait été intéressant, mais pourquoi pas. Star Shiner. Alors bizarrement, la traduction est assez mal faite parce que c'est pas Star Shine, c'est Tinkle Star. Mais bon, pourquoi pas. Et donc là, je fais un Super Pressure. Ça lui fait tellement pas de dégâts par contre. Ah, Air Blast! Et si je fais le Ice Tornado? Ouais, c'est pas terrible. Et maintenant je vais faire un Flame Bee Assist! Alors, bah oui, quand même, il faut de temps en temps les transformer. Alors attention. Transformation! Yes! Et je vais faire un truc. Je vais switcher. Parce qu'on va se servir de ce qu'on vient d'apprendre. Processo Unito! Et maintenant que c'est fait, on peut balancer l'exedrive. Rom and Ram! Yeah! Ça va être bon ça! Utsukushi!
Ouah, c'est la violence. C'est bourrin. Yeah. Ah, ça fait plaisir de voir nos nouvelles compétences utilisées à bon escient. Bref, ceci étant fait, allons voir si on peut trouver Yuni. Ah, quelqu'un s'est évanoui sur le sol. Est-ce que ça serait pas Yuni-chan? C'est Yuni-chan, pas vrai? Eh, hey. Hey, est-ce que ça va aller? Tiens le coup. Est-ce qu'elle a vraiment perdu, même si c'est une déesse? Elle est inconsciente, mais ses signes vitaux sont stables. Il est temps pour il est temps de montrer les compétences de soins magiques de la de l'infirmière Kompa. Est-ce que tu peux m'entendre, Yuni-chan? Est-ce que ça fait mal? Où as-tu mal? Nepegear, qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, reste allongé. Nous devons... tu dois récupérer, mais une chose après l'autre. Non, ça va aller. C'est rien, c'est juste une... arrête d'agir comme si t'étais une badass. Contre qui tu te battais? C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui t'a vaincu. Me faire vaincre? Non, tout ça c'était une partie de ma stratégie. Sérieusement, j'étais juste en train d'agir comme si j'étais faible, c'est tout. Ah, ça va, peu importe ce que tu dis. Qui est-ce qui t'a... Contre qui est-ce que tu dis que t'as dit que tu te battais? Quelqu'un qui s'appelait CFW Brave. Et il a dit qu'il était un membre... Pour un membre de ASIC, il était plutôt chevaleresque. Pourquoi est-ce que ça sonne familier? C'était ce hentai, c'était ce pervers qu'on a rencontré à Loi. C'est vrai, je pense que c'était Trick Tohado-sama. Je me demande pourquoi il utilise le même acronyme. Est-ce que vous avez vaincu ce personnage? Oui, mais vraiment de justesse. Hein. Tout le monde m'a aidé également. Ah, je vois. Ça ne va pas aller de parler aussi longtemps pendant que tu es en train de récupérer. Tu devrais dormir beaucoup. Ah,
Retournons donc en ville, là où les lits sont cosy, là où les lits sont, sont moelleux, sont accueillants. Yuni a l'air vraiment dépressive. Elle a beaucoup de fierté et l'idée de perdre ne doit pas lui sier vraiment, enfin ne doit pas vraiment lui plaire. Oui, je peux comprendre. Je me suis senti pareil lorsque j'ai perdu là-bas. Quel bébé stupide pleurer juste parce que t'as perdu à quelque chose. Mais je serais triste également. Et ça, c'est ok pour toi, Adam. Mais et qui plus est, aussi longtemps que nous serons ensemble, tu ne perdras jamais. Ça serait bien si, si cet optimisme enfantin pouvait atteindre d'autres personnes ici. C'est terrible, c'est terrible, tout le monde. C'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Yuni-chan, elle est partie. Elle a pris tous mes bandages mignons et elle s'est évaporée. Mais pourquoi a-t-elle donc fait ça? Merde, quelle plaie. Allons la retrouver. Elle n'a pas pu aller bien loin avec ses blessures. Et donc elle est à la Endless Zone, hein? Pourquoi pas? Bah éventuellement, moi je dis, hein. On peut toujours faire ça. La voici donc à la Endless Zone. Eh ben très bien. Bon, on n'a pas grand-chose à y foutre, nous, à la Endless Zone. Hein. On l'a déjà fait à l'infini. Vous vous doutez bien, bien sûr, que je ne vous montre pas tout en VOD. Hein. C'est parce que je garde quelques moments privilégiés avec les viewers présents sur le live. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'ai-je bien pu faire tout ce temps? Je n'ai pas pu vaincre cet opposant. Elle est là-bas, Yuni-chan! Tout le monde s'inquiète à ton sujet. S'il te plaît, reviens avec nous. Je vous ai jamais demandé de vous inquiéter à mon propos. Laissez-moi tranquille. N'agis pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Comment n'aurions-nous... Comment tu veux pas qu'on s'inquiète, hein? Ça n'a pas d'importance si je suis ici ou pas. Personne ne s'en souciera si je... Personne ne sourcillera si je m'éclipsais pour de bon. Yuni-chan,
Non, ce n'est pas vrai du tout. J'aimerais que tu viennes nous aider et... Pourquoi? Tu n'as pas besoin de moi. Yuni-chan, mais qu'est-ce qui te passe par la tête hein? J'ai perdu. J'ai voulu vaincre l'ennemi qui a vaincu ma sœur, ma grande sœur. Mais j'ai perdu avant même que je puisse arriver à ce point. Tous mes efforts, tous les efforts que j'ai faits n'ont servi à rien. C'est parce que tu essaies de te battre uniquement par tes propres moyens. Si nous travaillons tout ensemble, alors peut-être que... C'est vrai, t'as raison. Est-ce que ne suis-je pas toujours toute seule? Je suis pas comme toi, entouré de tellement d'amis. Sans ma sœur, j'ai toujours été toute seule. J'ai été idiote de penser que je pourrais égaler ma sœur. Est-ce que ce n'est pas étrange et triste hein? Je faisais de mon mieux pour quelque chose qui était simplement hors de ma portée. Non, tout ça c'est faux. Je suis dans le même cas que toi. Je sais que je pourrais pas égaler ma sœur, mais... Mais j'essaie de faire tout ce que je peux. Non, je dois faire tout ce que je peux et accomplir ce qu'elle n'a pas pu faire. Je dois sauver ma sœur. Sauver ta sœur? Mais je peux pas le faire toute seule. C'est pourquoi je demande à tout le monde de m'aider. Toi, Ramachan, Aïef et Kompa et tous mes autres amis. Si nous travaillons tout ensemble, nous pourrons réussir. Je sais que nous le pourrons. Nous devons croire en nous-mêmes. Tu veux que je vienne avec vous? Bien sûr. Nous sommes toutes les deux des déesses aspirantes. Hein. Donc ce n'est que naturel que nous devenions amis. Ce désir ne deviendra jamais réalité. Hein? Qui est là? Oh! Oh, il est stylé! C'est toi, Brave the Harto. C'est celui qui t'a vaincu? Je
La bonne fortune me tombe dessus. Vous trouvez deux déesses aspirantes ce qui fait d'une pierre deux coups. Je ne tire aucun plaisir dans le meurtre. Cessez vos actions contre Asik. Et peut-être pourrez-vous toutes les deux sortir d'ici vivantes. Non, jamais. Nous allons nous battre contre Asik et sauver nos sœurs. Je pense que notre duel c'est déjà la fin du duel, enfin le résultat du duel a déjà été décidé. Vous connaissez bien ma puissance. Le laisse pas t'intimider, Yuni. Je suis là avec toi. Si nous combattons toutes les deux, nous pouvons le vaincre. Ensemble, hein. C'est vrai, toi tu fais les choses bien plus dramatiquement que nécessaire. Mais tu as raison. Non, nous ne pouvons pas perdre. Nous ne perdrons jamais contre quelqu'un comme toi, encore une fois. J'applaudis votre bravoure. Cependant, je vais vous apprendre que les actions et non les mots peuvent porter la puissance de nos désirs. Ah, d'accord, donc du coup on va contrôler Yuni qu'on ne connaît pas encore en combat. Ça va être rigolo. Processo Unit. Mudada. C'est inutile. Par contre, elle a pris cher, hein, Yuni. Ah, tu lui fais zéro, par contre, Yuni. Ah, évidemment, t'as pas d'Exedrive, ce qui m'aurait étonné. D'accord, bon. D'accord, ça ne sert à rien d'attaquer avec Yuni, hein, en toute honnêteté. Oh, un Gundam! Exactement, il est vraiment stylé. Assault Rifle! Bon, eh bien, nickel! Et c'est le level up! Ouh, ça a l'air cool. Ou ça a l'air très cool. Fascinant. Un tel bond de puissance avec une seule alliée. Peut-être quelque chose a fait que leurs cœurs se sont mis à résonner.
Je savais que qu'on pouvait le faire. On a gagné. Nous l'avons vraiment fait, on a gagné. Ah, quel match fascinant, quel match intéressant. Très bien. J'honore vos efforts et je vais et je quitte cet endroit en paix. Mais la prochaine fois que nous nous rencontrerons, n'espérez pas une telle négligence. Préparez votre force et votre votre mental, votre mental en gros. Votre puissance. Fantastique, Yuni-chan. Ouais, merci, mais c'est grâce à toi. Non, ne sois pas, ne te sous-estime pas. On a été super forte et cool. On a gagné grâce à toi. Non, c'était pas comme si je... Ah, ça va aller. Nepegir, est-ce que ça t'embêterait si je venais avec vous? Hein? Vraiment? Tu le penses vraiment? Bien sûr que tu peux venir avec vous. Bien sûr que tu peux venir avec nous. Arrête d'agir comme si tu étais aussi heureuse à propos de ça. Te voir comme ça me fait réaliser comment j'ai pu être stupide à agir comme ça avant. Oh, et avant que j'oublie, ne dis à personne ce qui s'est passé. Enfin, j'espère que tu n'oseras pas dire ce qui s'est passé ici. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu sais, enfin, me voir toute dépressive et toute gênée et ça. Elle enfonce bien le couteau dans la plaie. Ah, bien sûr, self-depreciation, c'est, on va dire, se sous-estimer soi-même. Donc, te sous-estimer toi-même et toutes tes jérémiades, hein. Hein, t'inquiète pas, ton secret, j'emporterai dans la tombe. Allez, arrête, j'étais pas aussi pathétique. Et nous devrions nous dépêcher de revenir. Tout le monde te cherche. Hey, est-ce que t'es sûr de comprendre ce que je t'ai dit? Allez, reviens là! Super! Oh, et l'Exedrive Gauge est dorénavant level 4! Mais oui! Mais ça va être bon, ça! Et donc, elle va venir avec nous, hein? On dirait bien que vous avez désespérément besoin de mon aide, donc oui, je vais dire, vous savez, quand vous allez sauver ma sœur... Yoku-mama,
Ah, ça c'est bon ça! Je suis surpris que tu t'es capable de convaincre une tsundere aussi hard-shelled, comment vous dire, qui s'est forgé hein, une coquille aussi dure. Gyr-chan est comme un aimant à amis. Hé, hey, arrête de me flatter. Oui, mais je veux dire. Dans tous les cas, ça va aller si tu veux nous aider, mais ne sois pas une idiote, ok? Ne sois pas bête, ok? Salut, et pouvons-nous être amis, Yoni? Hey, regardez toutes ces waifus, Megami Kohosei, regardez toutes ces waifus, comment, déesse aspirante. Waouh, c'est une surcharge. Ouais, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été rassemblées toutes ensemble à un concert. C'est une vue splendide. La team qui, enfin, la winning team, la team qui peut tout vaincre. C'est la Dream Team. Ouais, c'est sûr que, enfin, ouais, c'est sûr que ça va être, ça va être super cool, quoi. Et c'était juste moi, Yaïef, dans les premiers temps, et puis regarde tous les amis qu'a Nepegear maintenant. Ouais, et maintenant je suis sûr, et non, je promets que nous allons sauver nos sœurs. Ah, nous venons de terminer le chapitre 3. Et ce que je propose, c'est de sauvegarder, voilà, pour commencer. Yeah! Et donc, à la prochaine VOD, eh bien, nous commencerons le chapitre 4. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est-à-dire que je vais couper la vidéo, la VOD ici, et nous allons nous retrouver pour la prochaine VOD directement, juste pour ce petit passage. Allez, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille, qui sais-je encore. Plein de gros bisous, et surtout hashtag, amour viril! Yeah!